Le braquage a été opéré à la fermeture du supermarché. Deux hommes cagoulés et puissamment armés n'ont pas hésité à tirer pour ouvrir la porte du magasin malgré la présence du personnel. Une caissière a été grièvement blessée aux jambes. Une fois sur place, la violence s'est poursuivie. Un des deux individus a donné un coup de crosse dans le dos du sous-directeur pour avoir les clés de la salle. Le coup est parti. Et suite à cela, ils ont pris la caisse qui était devant eux et se sont enfuis. Butin pour les deux individus, 400 euros. Les braquages en périphérie des agglomérations dans les supérettes ou bureaux de poste sont légion dans les Bouches-du-Rhône, mais le Var semblait encore épargné. Ce mode opératoire est une première sur le département. Nous sommes très surpris par la rapidité des faits et surtout la violence des faits. Le personnel de la supérette est évidemment choqué et ce braquage n'est pas rassurant pour les commerces voisins.